Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve. J'ai oublié de le préparer. On se retrouve pour le. Oups, ça va tomber. Pour le tirage au sort. Pour le défi du mois de septembre. Alors, je vous remonte le lot. Alors, je vous avais mis un petit kit 3D comme ça, avec le petit lion. Parce que j'ai trouvé celui-là en rayon, il n'y avait plus qu'un. Donc, je vous l'ai mis. Ensuite, je vous ai mis des stickers gorgeuses comme ça. Je m'étais pris une aussi. Je vous ai mis deux planches comme ça. J'ai pas trouvé pour les garçons, donc j'ai pas pu prendre. Ma crayère, des petits stickers. Non, pas stickers. Moi, ils aiment ça. Accessoires en papier. Enfin, en 3D, comme ça. Avec des petits bateaux, des animaux et les petits poussins. J'ai pas trouvé en doux pour les garçons. Je vous ai mis un die. Que je l'ai en double, je sais pas pourquoi je me suis retrouvée avec deux, je l'ai déjà, donc là il y a un, deux, trois, il y a six dailles, voilà, je vous ai mis un bloc de stickers comme ça, c'est rouge et plus, c'est un Valentin, on va dire, l'amitié, voilà. Je vous ai mis un petit bloc. Donc il date un peu, mais je l'ai en double et j'utilise moins maintenant. Autant que ça vous sert. Il est très beau en plus. Puis comme le thème rose, hein, c'est le Beautiful Romance. Et je vous ai mis des tampons comme ceci. Vous savez que ceux-là, on les trouve encore à Action. Tant qu'ils n'auront pas liquidé, ils les remettront. On ne fait pas gaffe à ma tête. Je remettrai après. J'ai encore la crève. Hein. On va voir mes yeux. je suis souvent tibiaune. Bah. Alors, le tirage au sort. Nous avions... Allez, attends, il faut que je prenne un crayon. Isabelle G. Effet papillon qui m'a fait un envoi de dingue. Sandra G. Et Didine 27. Voilà, je vous ai tout noté et je coupe les morceaux. Hop. Alors, par contre, je l'enverrai dans la semaine, pas la semaine prochaine. Je sais pas quand. Non, je suis pas en forme. Je préfère faire. Normalement, j'avais atelier demain, mais j'irai pas parce que je vais rester au chaud. Un petit pot. Mardi, j'ai un rendez-vous important. J'ai oublié d'y aller. Donc, je vais faire attention. Alors, Isabelle G. Hop, dans le pot. Effet papillon. Je vous le dis. Bon, je crois que j'avais une feuille en double. Aujourd'hui, temps, il va pleuvoir. Temps pourri. Un pain dedans. Sandra G. Hop. Hop là. Et Didine 27.
Voilà, vous êtes toutes les quatre dans le... Je vous mélange. Hop. Voilà. Je regarde pas. Je prends un au hasard. Voilà. Et nous avons Sandra G. Félicitations à toi, Sandra. Je crois que c'est sa première participation, d'ailleurs. Premier défi. En tout cas, bravo. Hein. Comme tous les quatre, j'avais adoré vos créations. Vous faites des merveilles à chaque fois. Hop. Je t'ai entouré. Et hop, j'entoure. Et félicitations à toi, Sandra. Je te mets dedans. Voilà. En tout cas, bravo à toutes les quatre, hein, parce que c'est symbolique d'envoyer petites choses aux copinettes, mais on fait des merveilles à chaque fois. Donc voilà, bravo à toi, Sandra, et ben, au prochain défi, qui, je rappelle, est le défi d'Halloween, qui est déjà en place. Donc attends, j'ai oublié de marquer. Alors, le défi d'octobre, je vous rappelle, c'est le thème Halloween, hein, bien sûr. Et c'est une happy enveloppe avec la carte. Hein. Je précise, mais on envoie toujours une carte automatiquement. Happy enveloppe et une ATC. Halloween. Vous avez avant le 31, bien sûr. Je vous ferai le tirage. Le 31. Je prends un like comme je fais tous les ans. Et la gagnante sera tirée au sort. Je vous montrerai d'ici là qu'est-ce que je vais proposer. J'ai pas réfléchi encore. Ça va être un peu différent par contre pour le défi de d'Halloween. Je vais faire moi ma propre happy enveloppe. Et mon ATC et la carte que je vous enverrai à la gagnante. Cette fois-ci, ce ne sera pas un lot comme je viens de vous montrer pour le défi de septembre. Ce sera ma création comme vous. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche avec un temps pourri. Et nous, on donne rendez-vous très bientôt, dès que ça va mieux, pour une prochaine vidéo. Bye bye!